And we sound like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Il fait vachement chaud là, hein. Ah, chaleur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Mes choux à la crème, j'ai pas dit mes choux à la crème, j'ai dit tout le monde, bref, on s'en fiche. J'espère que vous allez bien, mes petits choux à la crème, moi ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une story time, une mini story time. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'ai porté le mauvais œil à quelqu'un vraiment et comment mon mauvais œil était puissant, mon œil était puissant ce jour-là. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo et vous rejoindre la famille Moon Jumon, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On passe à la vidéo, c'est parti, let's go. Bon alors à cette période-là c'était il y a un moment, c'était il y a 3-4 ans je pense. J'étais avec Ahmed et on se disait que on avait remarqué, c'est lui qui me l'a fait remarquer d'ailleurs. Il m'avait fait remarquer que les gens qui me faisaient du mal, il leur arrivait que des problèmes par la suite. Et les gens qui étaient gentils avec moi, il leur arrivait que du bien. Il leur arrivait que du bien. Et on en riait un peu et tout. Et m'a dit, je vais être trop gentil avec toi. Moi, je suis plus gentil avec toi, reconnais-le et tout. On en riait pas mal. On trouvait vraiment le fait troublant. Et j'étais pas avec Ahmed ce jour-là, j'étais avec des amis, des amis pas très proches, des connaissances on va dire. J'étais assise avec des connaissances, avec deux garçons, ils étaient plus jeunes que moi en plus, bref, deux garçons plus jeunes, et il y en avait un en scooter, et un qui était assis à côté de moi sur un banc, on discutait normal et tout, il y en a un celui en scooter, il vient vers nous, il nous dit « Vous voulez boire quoi? Je vais aller à l'épicerie, je ramène des canettes. » Moi je lui dis « Ramène-moi un coca. » Je sais pas si je lui ai dit un coca ou un orangina ou n'importe quoi, mais on va dire coca. Donc je lui dis, ramène-moi un coca, s'il te plaît, c'est gentil. Donc il part avec son scooter chercher les canettes, et on discutait, et je lui disais, ouais, c'est bizarre, en ce moment, les gens, dès qu'ils me font du mal, ils arrivent trop du mal, alors fais gaffe, en rigolant, je lui disais ça. Et donc je racontais un peu, et son pote, il revient en scooter, il passe devant nous comme ça en scooter, avec le sachet à la main, il fait un, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, quand on monte le scooter et on roule sur la roue arrière, sur une seule roue, il fait un truc comme ça, il redescend sur ses deux roues, et là j'ai dit, waouh, mais il fait trop bien du scooter. Et là il prend le virage et ta, il s'éclate par terre en scooter. Heureusement il s'est pas fait mal, heureusement. Et là, mon pote c'est qui est à côté de moi, il me regarde, il me dit, mais t'es sérieuse là toi? Et j'avais pas dit machallah, hein. Il me dit, mais t'es sérieuse là, mais c'est quoi cette histoire? Mais ton oeil il est puissant, mais tu lui as porté le mauvais oeil là devant moi, il se met à mon pote. Et il arrive, il me dit, dis-lui rien. Et celui qui est dans le scooter, il vient, il me dit, mais c'est la première fois de ma vie que je tombe en scooter, j'ai fait du scooter toute ma vie, je suis jamais tombée de ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? On lui avait pas dit encore que j'avais dit qu'il faisait trop bien du scooter. Et donc il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute ma vie, je suis jamais tombée en scooter, je me suis écroulée, je me suis rétame par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il finit par lui dire, celui qui est à côté de moi, il lui dit, bah franchement, elle t'a haïen à fond, elle t'a grave porté le mauvais oeil, elle t'a fait un compliment sur la manière dont tu conduisais le scooter. Et c'est à ce moment-là que t'es tombé, il m'a dit, mais toi, ton oeil, il est puissant, mais t'es dangereuse. Après, son pote, il lui raconte, toi, il paraît que j'aurais jamais dû lui dire que les gens qui me faisaient du bien, ils auraient rêvé des bonnes choses. En fait, il lui a parlé dans mon dos, en chuchotant, en parlant doucement et tout. Et je pense qu'il lui a parlé de ça, parce que quand ils sont revenus, les autres, ils sont venus avec de la nourriture, ils me disaient, tiens, tiens, ils voulaient tous me donner... J'ai trop honte, j'aurais jamais dû lui dire. Ils sont tous venus avec la nourriture, ils m'ont dit, tiens, mange toujours, mais j'ai pas faim, non merci. Ils me disaient, non, mais tu vas pas refuser quand même. Allez, refuse pas. Ils ont insisté, mais insisté lourdement pour que je prenne tout ce qu'ils ont fait. Donc j'ai tout pris, je sais même pas si je l'ai mangé, si je l'ai pas, j'ai pas dû le jeter, j'aurais pas pu le jeter cette nourriture. Mais je crois que je l'ai pas mangé, j'ai dû le donner à quelqu'un, peut-être. Je pense que je l'ai donné à quelqu'un, la nourriture. Et voilà, comment j'ai porté la poisse à quelqu'un en scooter. C'était une mini story time, c'était pas très long. J'espère que ça vous a plu, ça vous a fait rire. Donc voilà. Écoutez mes chouchous d'amour, on a fini la vidéo. J'espère que ça vous a plu, je fais plein de bisous. Mouah, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.